Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'attaquer aux tendances mode de cet automne-hiver. On va vraiment rentrer plus sérieusement dans la période froide. Donc j'ai décidé de vous présenter les 10 grosses tendances qui selon moi vont soit être les plus marquantes de la saison, soit les plus faciles à adapter pour notre dressing de tous les jours. Comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première tendance qu'on a repérée sur les défilés pour l'automne-hiver 2021-2022, c'est la tendance du total look maille. On en a retrouvé entre autres dans les collections de Acne, de Balmain ou encore de Fendi. Le total look maille, ça va commencer à faire une bonne grosse année qu'on le retrouve sur le devant de la scène mode, avec cet essor de tenues beaucoup plus cocooning, beaucoup plus confortable, agréable à porter tout en restant esthétique. On a plusieurs façons d'adopter cette tendance. Premièrement, on va être sur des ensembles pulls et jupes. J'en ai retrouvé pas mal récemment. Je trouve que c'est assez sympa. La jupe, c'est une tenue un petit peu plus habillée qu'un pantalon. Et la traiter en maille, ça la rend vachement confortable. Ça peut être quelque chose dont on a envie pour cet automne-hiver. Pourquoi pas avec une paire de collants assez simples, une paire de bottines track. Je vois bien ce type de look-là. D'ailleurs, je vais vous en faire un bientôt sur Instagram. Je vous le tease un petit peu ici. Je trouve ça super chouette, on a beaucoup de couleurs assez chaudes. Ça fait une tenue qui a et du style, une tenue qui fait de l'effort, mais sans trop en faire non plus pour rester dans un esprit un peu cocooning spécial automne-hiver. Ça j'aime beaucoup, on va avoir après l'option short qui est pour moi l'option la moins portable pour tous les jours pour une personne lambda. On va pas forcément au travail avec un ensemble en maille short, on va pas forcément faire ses courses avec un ensemble maille short. Je laisse ça plutôt à Instagram. On aura une façon beaucoup plus facile de la porter avec les pantalons. Les pantalons en maille, on en retrouve énormément en ce moment. Ça va être très facile à adopter. Ça convient à beaucoup de morphologies. C'est même idéal pour les femmes enceintes parce qu'en général, on n'a pas de fermeture éclair. Je dis ça, ça peut aider. Et en dernier, facile, simple, efficace, on aura la robe longue en maille. Très souvent, on est sur des mailles côtelées. On les retrouve dans des couleurs assez chaudes, parfaites pour la période automne-hiver, dans des coloris marron, dans des coloris beige, camel. Personnellement, j'adore. On en fait des tenues très très chouettes. Ça s'adapte à beaucoup de monde, à tout âge, à pas mal de styles. Ça peut être une idée. En deuxième, c'est plutôt un gimmick style qu'on a retrouvé sur différents défilés. C'est le gimmick de porter le foulard dans les cheveux. J'en ai vu entre autres sur les défilés de Max Mara, Dior. Il y en a beaucoup d'autres qui ont utilisé cet accessoire dans les cheveux. C'est clairement un retour à des tenues rétro, des tenues vintage. C'est pas forcément un réflexe style qu'on va avoir pour sortir tous les jours. Cependant, si on aime le résultat, je trouve que c'est clairement une tendance qui est facile à s'approprier en fait. Parce que très souvent, des foulards, on en a à la maison, on en trouve chez maman, chez grand-mère, on en trouve en vintage pour 3 fois rien. Donc ça peut permettre de mettre un pied dans l'actualité ou un pied dans un style un petit peu rétro si c'est ce qu'on cherche, sans dépenser, et ça c'est intéressant. Après voilà, faut-il assumer et faut-il aimer surtout ce type de style? On aura d'autres possibilités avec les foulards. Les foulards à l'automne surtout, c'est vraiment un accessoire qui apporte beaucoup à une tenue. On pourra le nouer de plein de façons différentes. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les foulards il y a un an. Peut-être que je ferai une nouvelle version avec plein d'idées de comment nouer son foulard. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais voilà, pour moi c'est une tendance qui est assez accessible. En troisième, et ça va avec les matières typiques de l'automne-hiver, on a retrouvé beaucoup de looks en cuir. On en a retrouvé entre autres sur les défilés de Dior, de Simone Rocha, de Sportsmax ou de Givenchy. Le cuir ou simili-cuir, c'est assez vaste comme concept étant donné que c'est une matière qui s'appose à vraiment beaucoup de vêtements. On va pouvoir le retrouver traité de plein de façons différentes et en faire des styles vraiment opposés. Soit on en retrouve sur les blazers, des blazers un petit peu oversize. C'était très tendance l'année dernière, ça continue à être tendance. Donc si vous aviez investi, franchement, continuez à les sortir. On en retrouve beaucoup en noir, en marron. Il y a quelques petites originalités aussi avec d'autres coloris, mais de manière générale, on est plutôt sur des couleurs intemporelles. On va avoir tout ce qui est pantalon simili ou cuir, c'est encore une fois un intemporel. On les retrouve dans plein de coupes différentes, donc ça peut s'adapter à tout type de morpho, tout âge, tout style. On va avoir tout ce qui est short, tout ce qui est jupe, à venir réchauffer d'une belle maille. C'est un contraste de matière qui est génial pour l'automne-hiver. On va avoir aussi des robes en cuir ou effet cuir. Soit on aura des robes pleines, soit on aura des robes chasubles, donc avec les petites bretelles dont je vous parle assez souvent. On vient mettre en dessous un soupir
plus le col roulé, on vient mettre une chemise et là on a un look mais génial. Personnellement j'aime beaucoup jouer avec les matières esprit cuir pour l'automne-hiver, on peut en faire plein de choses, c'est une matière qui est assez pratique à sortir, donc pourquoi pas. En quatrième, je vous en avais déjà parlé et c'est vraiment un des incontournables de cette saison automne-hiver, c'est le matelassé. On en a retrouvé entre autres chez Pucci, chez Dior encore, chez Max Mara ou bien chez Hermès de façon assez différente. Le matelassé il va s'apposer principalement sur des vestes, soit des vestes courtes ou alors sur des manteaux plutôt longs. On en retrouve aussi quelquefois en short, mais là c'est vraiment un petit peu plus niche. On va le retrouver soit dans l'uni, dans des couleurs assez basiques telles que le beige, le kaki, le marron ou encore le noir, soit on va le retrouver dans des imprimés, encore une fois un petit peu plus poussé pour un style plus affirmé. Ce qui est assez sympa avec cette tendance, c'est qu'on retrouve vraiment la pièce déclinée de plein de formes différentes, donc qui peut vraiment s'adapter à tout type de morpho, à tout âge, à tout style. J'avais eu une question il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'en parlais sur Instagram, j'avais une réflexion qui me disait oui, le matelassé c'est joli sur des filles minces mais peut-être pas sur des filles rondes. Franchement, détrompez-vous, ça convient à beaucoup de personnes. Je vais d'ailleurs vous montrer des images qui le prouveront. Tout est une question de forme choisie, une question d'épaisseur de matelassage aussi, mais ça convient vraiment à beaucoup de monde. On en fait des looks ultra canon. D'ailleurs, je me demandais, étant donné que j'ai plusieurs pièces matelassées à la maison, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment porter le matelassé en automne-hiver? Dites-le moi en commentaire et je prendrai un petit peu en compte vos propositions. En cinquième, ce qu'on a revu sur le devant de la scène, c'est le manteau léopard. J'en ai vu entre autres chez Etro, chez Numero 20 Uno et chez Dior. Comme quoi, Dior a représenté pas mal des tendances de cet automne-hiver. Le manteau léopard, il a une connotation un petit peu mémère, il a une connotation peut-être vulgaire en fonction de comment il était traité. Moi, je trouve qu'on peut facilement réussir à porter une pièce, un manteau léopard, sans que ce soit vulgaire, sans que ce soit vraiment premier degré. Tout est une question de dosage. Pour moi, le choix des couleurs de l'imprimé léopard, il est assez important si on veut rester plutôt discret. On va miser sur un contraste plus modéré entre le fond de l'imprimé et le petit tacheté du léopard, pourquoi pas du gris et du noir, pourquoi pas du marron plus foncé et du noir, quelque chose de moins voyant pour être plus facile à assumer. Après, pour réussir à bien le porter, si jamais on veut pas que ça fasse premier degré justement, l'idée c'est de casser le look avec soit un look casual, on va miser sur un jean, on va miser sur un petit pull basique, une paire de bottines, soit quelque chose inspiré à la Kate Moss, un petit peu bobo rock, ça peut aussi être une idée, pourquoi pas, ou alors quelque chose de plus chic justement, et là on crée un contraste, on réussit à équilibrer la pièce et à la tempérer, ça marche. En sixième, c'est une tendance style qu'on a retrouvée sur quelques défilés et qui me plaît énormément pour cet automne-hiver, c'est la tendance des looks preppy. Le preppy, étant donné que c'est un style, ça se matérialise de plusieurs façons différentes sur différents types de pièces. On va retrouver tout ce qui est jupe plissée qu'on va venir marier soit avec des sweats un petit peu d'université, soit avec des jolies blouses ou des jolies chemises. On va retrouver le combo mocassin, petites chaussettes. On aura également ces cardigans avec des poches contrastes et des petits boutons qu'on a retrouvés chez Chanel. On aura également tout ce qui est robe chasuble à marier avec des chemises. Donc on peut avoir plein d'idées sur comment porter le look preppy. J'en ai déjà fait quelques looks sur Instagram. Et encore une fois, je pense aussi peut-être en faire une vidéo sur YouTube. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Perso, j'aime beaucoup cet esprit un petit peu schoolgirl, chic. Donc dites-moi si ça vous intéresse. En septième, et parce que automne-hiver ne rime pas forcément avec couleurs neutres et couleurs sombres, on a retrouvé beaucoup de silhouettes avec des couleurs très fortes sur les défilés. On en a retrouvé entre autres chez Chanel, chez Versace, chez Ferragamo, chez Pro Hansa Schuller. Les couleurs assez fortes, ça va être des couleurs qui ont beaucoup de vivacité en fait, qui sont vraiment poussées à leur maximum, qui sont très vives, et on va les retrouver dans des silhouettes complètes. Soit on aura des total looks avec des robes couleurs vives, des collants couleurs vives, ou simplement la robe, ça peut marcher aussi. On aura des manteaux dans cet esprit, ça marchera aussi avec des costumes qui constituent une tenue complète. Après, plus simplement, on pourra miser sur des blouses avec des couleurs vives, on pourra miser sur un pantalon couleur vive qu'on viendra tempérer avec un haut d'une couleur plus neutre, ou alors un pull aussi, ça marchera très bien pour l'hiver. Voilà, ça met vraiment une dose d'énergie, de vivacité et de lumière dans nos tenues. On n'aura vraiment pas de difficulté à en retrouver dans les collections actuelles ou alors en seconde main. Je vais vous afficher quelques petites pièces
que j'ai déjà repéré, mais voilà, ça peut donner des idées pour des tenues un petit peu plus joyeuses en hiver. En huitième, et comme la vie est une fête, on a retrouvé énormément de sequins sur les looks de l'automne-hiver 2021-2022. On en a retrouvé entre autres dans les collections de Isabelle Marant, de Givenchy ou encore de Valentino. Le sequin, vous allez me dire, oui c'est sympa au nouvel an, c'est sympa en soirée, mais dans la vie de tous les jours, comment on fait pour le porter? Bah écoutez, je trouve que par petites touches, en fait, ça peut très très bien s'assimiler à un dressing de tous les jours. Encore une fois, faut-il l'assumer? Mais je vais vous donner quelques petites idées. Soit on a une jupe en sequin, on ne sait pas comment la sortir tous les jours. On vient la mettre avec un collant noir assez foncé pour tempérer le côté un peu sexy ou un peu fête qu'elle pourrait avoir. On vient mettre une grosse maille qui rend le tout un petit peu plus cocooning et un peu plus casual. Facile à mettre pour tous les jours, un manteau par-dessus et l'affaire est dans le sac. Franchement, on a réussi à recycler sa jupe en sequin. On peut avoir un haut en sequin également qu'on vient marier avec un jean, une petite paire de bottines et encore une fois un gros manteau en laine. Ça marche, ça peut être des idées. Après, je pense, en fonction du style, en fonction des occasions, ça ne s'adapte pas vraiment à toutes les pièces, mais on va pouvoir, si on réfléchit et si on ruse un petit peu, recycler ces pièces un petit peu festives qu'on pourrait avoir dans le dressing, ou si on aime porter des sequins au quotidien, ça peut être une idée pour les adopter pour tous les jours. Voilà, c'est une idée. Moi je dis pourquoi pas. La mode c'est aussi festif, c'est aussi fait pour se faire plaisir et se mettre de bonne humeur. Pourquoi pas miser sur du sequin tous les jours. En 9e, je crois que vous en avez déjà parlé pour cet été, c'est toujours présent pour cet automne-hiver, on a encore la tendance du patchwork. Le patchwork, si vous voyez pas ce que c'est cette association de différentes pièces de tissu qui forment un tissu uni, irrégulier, avec différentes teintes de couleurs, différents imprimés, différentes matières aussi. J'en ai retrouvé entre autres chez Etro, chez Dolce & Gabbana, chez Armani et chez Chloé. Le patchwork, il va pouvoir s'adopter sur différentes matières. Comme je vous l'ai dit, on va retrouver assez facilement du patchwork de denim, du patchwork de daim ou du patchwork de cuir qui feront très connoté années 70. On va aussi retrouver des patchworks d'imprimés. Comme je vous disais, c'est un petit peu plus rare cette saison. Mais pourquoi pas. Ça marche très bien sur différents types de pièces. On va en retrouver en jupe, assez facile à porter, avec un petit sous-pull col roulé ou avec un pull assez épais. Pour l'hiver, c'est simple, efficace. On va en retrouver en veste, on va en retrouver en manteau long, très esprit vintage. On en retrouvera aussi en pantalon. Pourquoi pas? Je trouve vraiment que c'est un effet de matière qui est assez intéressant à travailler. Personnellement, j'ai une jupe en simili-cuir en patchwork, fait également penser à la tendance des damiers, et portée avec un petit sous-pull collant et bottines. Ça marche très bien. Donc pourquoi pas miser sur cette tendance pour un petit peu donner du peps à nos tenues. Et donc enfin, la 10e et dernière tenue, et j'en parlais un petit peu juste avant. En fait, on est un peu sur une nouvelle version. C'est la tendance du losange, qui pour moi est une version différente, sensiblement différente, mais qui rejoint un petit peu la tendance du damier dont je vous parlais pour la rentrée, qui s'impose vraiment. On la retrouve sur toutes les collections actuelles. Là, on peut vraiment pas passer à côté. La version losange, je trouve que c'est une version qui est peut-être un petit peu plus chic, un peu moins grungy, un petit peu moins décalé que le damier. On en retrouvait sur les défilés de Valentino, de Dior et de Vivienne Westwood. Le losange, pour l'instant, à part les petits pulls classiques d'hiver, je ne l'ai pas encore retrouvé vraiment de façon substantielle dans les collections actuelles. Je retrouve beaucoup de damiers, pas encore de losange. À voir comment la tendance évolue sur l'hiver au fur et à mesure que les collections vont s'étoffer. Mais voilà, ça peut être une version. Il y a les deux versions de disponibles entre le damier et le losange. Franchement, foncez parce que ça va durer quelques saisons, donc ça peut être bon à savoir. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos tendances préférées pour cet automne-hiver. N'hésitez pas aussi à répondre par rapport aux questions que je vous ai posées sur les futures vidéos, à savoir comment porter la veste matelassée, si vous voulez également un guide du style prépi, comme ça je me noterai tout et j'essaierai de tout faire voilà, dans les prochaines semaines. Je vais continuer un petit peu les vidéos tendances, je vais étoffer un peu le sujet avec les vidéos tendances manteaux, les vidéos tendances boots, accessoires, etc. comme je fais d'habitude. Si vous avez vraiment des choses qui vous aideraient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je prends tout le monde en compte. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.